Samedi soir était diffusée la dernière émission de Quelle Époque ? Avant les grandes vacances. Et pour l'occasion, le chroniqueur Christophe de Chavani avait convié sa fille Ninon. Malheureusement pour lui, cette dernière s'est fait plus remarquer qu'il ne l'aurait souhaité. Quelle réussite ! Pour sa première saison, l'émission Quelle Époque ? A semble-t-il rempli tous les objectifs et même plus encore. En effet, portée par Léa Salamé, elle est devenue un rendez-vous incontournable des samedis soirs et a enregistré de très belles audiences tout au long de la saison. Si est-il donc tout naturellement que France 2 a décidé de renouveler le programme dès la rentrée prochaine. Mais en attendant, si est-il une pause bien méritée que toutes les équipes de Quelle Époque vont pouvoir s'offrir car le 24 juin était diffusé le dernier numéro. Pour l'occasion, Léa Salamé avait notamment choisi de mettre en avant ceux qui l'ont accompagné chaque semaine dans cette folle aventure, à savoir ses acolytes Philippe Cavé-Rivière et Christophe de Chavannes. Ces deux-là étaient officiellement invités de Quelle Époque, et ont vu leur parcours retracé. Mais il en a été dévoilé un peu plus sur Christophe de Chavannes que prévu. En effet, alors que l'humoriste Paul de Saint-Cernin cherchait à intervenir avec une petite blague depuis le public, il s'est fait interrompre par Léa Salamé. Et pour cause, la journaliste a vite remarqué la gêne de Christophe de Chavannes. Attends, il n'est pas content. A-t-elle balancé. Non, je n'ai rien dit, on ne voit que Paul, si est-il très bien, a tenté de la contrer le chroniqueur. Mais Léa Salamé était bien déterminée à tout dire, non. On voit une jolie fille à côté. Si est-il qui, si est-il la fille de Christophe de Chavannes. Mon Dieu, elle ne se place pas du tout au bon endroit. Paul de Saint-Cernin a alors vu là une belle opportunité pour faire les présentations de la ravissante Ninon, installée à ses côtés donc. Maintenant que tu es grillé, est-ce que tu veux te présenter? A-t-il tenté de la faire réagir à son micro. Mais il en était hors de question pour son papa. Vas-y, Paul, cesse d'exclamer Christophe de Chavannes dans le but de faire enchaîner son camarade. Ça va être dur maintenant, a rebondi ce dernier, suscitant alors les rires autour de lui. La belle Ninon, âgée de 25 ans, était de son côté des plus souriantes et vraisemblablement heureuse de venir soutenir son père. Elle avait déjà fait le déplacement au sein du public en septembre 2022. À ce moment-là, Ninon était apparue très émue et même au bord des larmes lorsque son chien disparu avait été évoqué.